Chez BMW à Francfort, il y a du SUV avec le X3 et vous avez également de la grande berline avec la série 6 GT, mais aussi de la sportive. La sportive, c'est la toute dernière BMW M5. Alors, première chose, ceci, vous avez une First Edition et la First Edition dans cette couleur rouge, on vous déconseille, il ne faut pas abuser, la bonne couleur à choisir, c'est le bleu qui est derrière, pas le rouge. Alors, après, on remarque bien sûr quelques évolutions au niveau du style de cette M5, c'est normal. Alors, pour comparaison, vous avez un bouclier avant très ajouré, une calandre noire qu'on retrouve également, qu'on retrouve également sur des jantes, forcément des jantes en 20 pouces sur cette fornition First Edition. Mais on retiendra surtout que le moteur à moteur, c'est un 4x4 biturbo qui développe 600 chevaux et 750 Nm de couple, 0 à 100, 3 secondes 4. Alors forcément, il faut être bien installé et venez voir à l'habitacle. Vous êtes forcément bien installé, notamment regardez les sièges. On voit un confrère qui est particulièrement bien installé. On note bien sûr une planche de bord très proche de celle de la série 5 avec une petite particularité qui concerne les boutons rouges qui permettent de mémoriser des modes de conduite choisis et entièrement paramétrables. Ça c'est l'installation. On notera enfin le prix de la voiture, 126 500 euros, une commercialisation qui aura lieu donc courant 2018. Et on a hâte de la faire essayer à le soleil à Paris pour voir si vraiment elle sera à la hauteur de sa réputation, d'autant plus qu'elle disposera pour la première fois de 4 roues motrices avec 3 modes, 4 roues motrices normales, sport et même 100% propulsion.